allez tirer une carte avec un thème. Et donc sur cette carte, il y aura écrit le thème du débat et votre position. Donc soit pour, soit contre. Position. On va se rendre au CDI comme la dernière fois. Et donc c'est là que vous allez mettre sur écrit vos arguments. Le droit de vote aux enfants, et c'est contre. Vous êtes contre le droit de vote pour les enfants. Confiance. L'arrêt de l'école à 16 ans. Et vous êtes contre. Non, en fait, tu dois dire pourquoi t'es contre. Tu ne dois pas dire pourquoi t'es pour les études. Les élèves, ça va arriver. On est pour l'évaluation par les notes. S'il n'y avait plus de notes, il y a des élèves, ils arrêteront de travailler complètement, ils n'auront plus d'objectifs à se fixer et tout. On a trouvé pas mal d'arguments du style qu'on peut pas exprimer sa personnalité parce que on te donne un vêtement comme ça et tu dois l'accepter et tout le monde a le même, donc ça te soumet à un système et ça nous déshumanise aussi. Que tu penses quelque chose sur quelqu'un alors que tu ne connais même pas par rapport à son image. Par exemple, tu vois en jogging, tu dis ouais, il fait rien. Ou même par rapport à, je sais pas, une fille qui est mal habillée, elle prend pas soin d'elle. On est tombé sur la carte contre le droit de vote aux enfants. Donc on doit argumenter comme quoi les enfants ne sont pas en âge de voter. Donc on a trouvé plusieurs idées. Tout d'abord, on pense qu'ils sont pas assez matures, qu'ils s'intéressent pas assez à la politique, qu'ils ont pas assez de responsabilités. Bon, pour tout dire, parce qu'après... à la maison. Donc nous sommes contre. Donc maintenant, on va émettre des arguments pour pouvoir remporter ce duel, enfin, ce concours d'éloquence. On sera opposé à ceux qui seront pour. Donc là, on émet des arguments et on essaye de... le travail et le discours. Soit préfériez-vous pratiquer cette activité ou alors faire vos devoirs? Non, faut pas faire ça parce que eux, ils sont pauvres. Donc si tu leur poses une question comme ça, c'est un cadeau pour eux parce qu'ils vont dire oui, je préfère faire mes devoirs. Ils vont pas dire non parce que alors qu'ils sont pauvres. Comme je t'ai dit, ils sont pauvres. Donc ils vont me contredire. Hein. Même si eux, ils vont peut-être mentir, ils vont dire que ouais, non. Alors notre thème c'est les devoirs à la maison, on est pour et on a fait 7 arguments en tout. On a beaucoup plus de temps pour travailler à la maison, que ça nous aide à nous préparer psychologiquement pour le lendemain. Avec les notes, on peut se donner un but à atteindre et au fil de l'année, on va voir notre progression qui nous donne encore plus envie de s'investir. Alors, d'une part, l'élève travaille essentiellement pour avoir une bonne note. L'évaluation par les notes, c'est le meilleur critère pour évaluer le travail d'un élève. Ensuite, cela permet aux parents de savoir où en est l'enfant. Ça permet de cibler les difficultés des élèves. Notamment, l'élève peut apprendre de ses erreurs. Par exemple, une note peut changer la vision sur un sujet d'évaluation s'il a une mauvaise note. Voilà. Bravo. Là, c'est clair et net, c'est court. La diversité implique souvent des tensions et l'uniforme met très bien fin à ces tensions. Par ailleurs, cela pourrait éviter la vulgarité de certains élèves. Car en gros, c'est nous tous sommes dans le même collège et nous tous on est l'un pour l'autre parce qu'on a le même uniforme.
Et c'est aussi très cliché parce que les uniformes, bah, les garçons sont en pantalon et les filles en jupe. Quand tout le monde a la même chose, ça revient un peu à l'uniforme. C'est... Tout le monde est tout pareil. Et après, si quelqu'un est différent, les autres vont avoir tendance à se moquer. Les devoirs à la maison permettent également d'y être préparé psychologiquement. Par ailleurs, le travail effectué à la maison nous permet de mémoriser davantage ce qui a été fait en cours notamment. Comment voulez-vous que l'élève progresse si le professeur ne prend même pas la peine de corriger ou de vérifier? Et donc, il est important de se canaliser et de se défouler lors des activités. Et soyons plus concrets, apparemment avec des chiffres, d'après une étude du Figaro, seulement 39% des élèves réalisent leurs devoirs à la maison. Il y en auront qui vont avoir des ordinateurs, des téléphones portables, internet, pour pouvoir accéder et faire mieux leurs devoirs. D'autres non, d'autres vont avoir des contraintes sonores avec des familles nombreuses. Donc il y a beaucoup d'inégalités de ce niveau-là. On va commencer à stresser et ça ne va pas être bon et ça va engendrer une négligence en tout. Je mettrai le droit de vote aux mineurs. N'étant pas préparé, il faudrait instaurer plus d'éducation civique à l'école. Maintenant, laissez-moi dire, vive la France. Tout d'abord, nous allons défendre le fait que les enfants ne sont pas en âge de voter. De plus, ils ne sont pas assez matures pour avoir une idée sur la politique. D'autre part, je pense qu'ils n'ont pas assez de responsabilités et de sources. En d'autres termes, ils ne sont pas assez informés. L'arrêt de l'école à 16 ans offre à chacun la possibilité d'un choix individuel. D'autre part, les formations sont source de nombreux avantages. Elles permettent en premier lieu d'acquérir une expérience qui facilite l'emploi. Il est vrai que les études courtes nous introduisent directement dans la vie active. Aujourd'hui, la vraie question d'aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si nous sommes pour ou contre les études longues, ou c'est bien ou mauvais, mais la vraie question, c'est de choisir un métier qu'on aime et on ne travaillera jamais. Confucius.